le Tuan Simpson participe pour la seconde fois au Salon des métiers d'art de Rambouillet. Cette Inimontaine s'est lancée dans la peinture sur porcelaine depuis 2 ans. J'ai une clientèle qui commence à se faire. En fait, ça fait 2 ans que je suis installée en tant que peintre sur porcelaine. Et je recherche vraiment des vrais salons de métiers d'art qui correspondent en fait à mon activité. Ce week-end, c'était donné rendez-vous tourneur sur bois, verrier ou encore couturier. Les intempéries de la semaine dernière n'ont pas refroidi les visiteurs. La qualité des artisans est absolument impressionnante. Enfin, ils sont, a priori, ce que je vois, c'est vraiment très, très joli, très bien fait, très, très, très beau. Donc je pense qu'on reviendra. On est venu ce matin par pure curiosité, donc pour voir un peu ce qui pouvait se faire en termes d'innovation sur les différentes matières. Ce salon a aussi un but caritatif. Tous les bénéfices sont reversés à l'association L'Étoile de Martin. La première casquette, c'est de financer le matériel pour la recherche des enfants qui sont atteints du cancer. Et sa deuxième casquette, c'est de leur permettre, quand ils sont à l'hôpital, de passer le temps plus rapidement en prenant des prestidigitateurs, en prenant des clowns. Pour cette 4e édition, le salon a réuni une 40aine d'exposants.